Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes accompagnés de Madame Rousseau et de Madame Brooke pour vous présenter le groupe Teriba qui est venu faire un concert au collège. Tout d'abord, comment avez-vous eu l'idée de faire venir ce groupe au collège ? Alors, c'est plutôt le groupe qui est venu vers nous, en fait. C'est des femmes qui avaient envie, des femmes et un homme, en fait. C'est un groupe composé de deux femmes et d'un homme, et qui avaient envie de transmettre, en fait, leur culture et leur vision des choses et de la vie. À présent, la chanson qui s'intitule « Abogo », qui veut dire « Il est temps ». Lorsque la fille naît, il est important qu'elle aille à l'école. Dans mon pays, il y a encore des difficultés d'envoyer systématiquement les filles et les garçons à l'école. Alors cette chanson, qui veut dire « Agogo », ça veut dire qu'il est temps que aussi bien les garçons que les filles aient droit à l'éducation. Agogo, pour vous. Et qu'est-ce que ça peut apporter aux enfants, tout ça? Qu'est-ce que ça peut apporter aux enfants, aux élèves? Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Madame Brooke? Déjà, le spectacle s'intitule « Femmes », donc en lien avec la place de la femme au Bénin, mais aussi dans le monde, et aussi la culture traditionnelle du Bénin, qui est autour du vaudou, parce que le fa, c'est l'art divinatoire du Bénin. Dans cette chanson, nous essayons de dire tout simplement de vivre notre vie telle qu'elle se présente à nous, sans trop se poser de questions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le groupe, quel type de musique ils jouent, quand est-ce qu'ils ont commencé? Alors, le groupe Teriba, qui veut dire humilité, a commencé, je crois, en 2002. Ils ont sorti un album en 2006, il me semble, et alliant à la fois des chants traditionnels repris et des compositions, en fait, en différentes langues, puisqu'il existe au Bénin même 10 langues. Donc, je crois que eux, dans leur album, ils en utilisent 3 langues. Et voilà. Le fa, le fon, le yoruba et le français aussi. Oui. Clémence, comment as-tu vécu ce moment ? Bien, musicalement, ça nous a permis de découvrir de nouveaux registres déjà, et c'était vraiment incroyable. Et on a pu tous partager des choses, on a dansé, on a chanté, on s'est tenu la main après pour continuer à danser, donc c'était vraiment incroyable. Et puis à la fin, on a eu un débat, on a pu leur poser des questions, et ça, et eux aussi nous ont posé des questions, et c'était vraiment super. Merci mesdames pour vos réponses, c'était Clémence de la Web TV. Au revoir.